L'évangile selon Marc est l'évangile que nous allons suivre dans les semaines et les mois à venir, chers catéchumènes et enfants de l'école biblique. Et de manière à ce que nous en profitions tous, nous allons ce matin ouvrir justement cet évangile. Il y a deux pasteurs dont le prénom est Marc dans cette assemblée, il ne faudrait pas imaginer que c'est leur évangile. Évangile selon Marc, chapitre 1er, les versets 16 à 20. Donc nous sommes dans les commencements de cet évangile. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 258. Nous allons chanter ces strophes 1, 2 et 3. « Tu me veux à ton service ». Voilà de quoi nous mettre à l'écoute de ce récit d'appel des disciples. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant,
Nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Alors ouvre nos cœurs, dispose nos oreilles, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance de ce qu'est vraiment la vie. Chers frères et sœurs, j'ai souvent l'habitude de vous dire, et je ne suis pas le seul, que la Bible n'est pas un livre de réponses. La Bible n'est pas un livre de réponses. Toutefois, à la lecture de ce texte, il me semble que cela demande d'être légèrement affiné et précisé. Toutefois, avec Paul Ricoeur, je maintiens qu'être juif ou chrétien, ce n'est pas détenir avec la Bible les réponses qui feraient cruellement défaut aux fidèles des autres religions ou aux non-croyants. Je maintiens avec Paul Ricoeur et bien d'autres que être juif, être chrétien, ce n'est pas non plus détenir grâce à la Bible les réponses aux questions posées par les autres disciplines, que ce soit la philosophie ou d'autres disciplines, et laissé par elle sans réponse. Effectivement, à bien y regarder, la Bible contient beaucoup de réponses. Énormément de réponses. Et en fait, presque à toutes les pages, il y a des réponses. Mais ces réponses ne sont pas des réponses à des questions. Ce sont des réponses à des appels. Il y a des hommes, il y a des femmes qui répondent à une parole qui leur est adressée, souvent sous la forme d'un « me voici » ou, comme c'est le cas dans ce texte, par une réponse en forme d'engagement de toute la personne qui laisse même ses outils sur place pour suivre quelqu'un qui l'appelle. Oui, la Bible est un livre de réponses, mais pas des réponses à des questions posées, des réponses à des appels. Ici, la réponse qui est donnée par les disciples ne relève pas d'une vérité qui serait dite une fois pour toutes et qui serait valable à travers les temps et les lieux pour tout un chacun. Ici, la réponse qui est donnée par les disciples est une réponse qui engage l'existence, qui nous engage parce que nous allons à la suite de ces disciples, qui nous engage et qui se construit sur la confiance que des personnes font à une parole qui leur est adressée. Et en langage théologique, cette confiance dans une parole donnée, ça s'appelle la foi. Cette foi, cette confiance exprime le fait que des personnes se sentent vraiment concernées par ce qu'ils entendent. Il y a là un sujet, il y a là un appel, une thématique qui les concerne de manière ultime. Et vous me voyez venir avec mes gentils escarpins déchargés de toute la neige que vous avez encore sur vos chaussures. Paul Tillich, voilà ce qu'est la foi. Il y voit, dans cette expression, ce qu'est pour lui la définition de la foi.
Le fait d'être préoccupé de manière fondamentale par une parole, par un sujet, d'être quasiment obsédé par cela, d'avoir une sorte d'obéissance absolue à une parole qui, pour nous, est une parole décisive, une parole qui engage tout notre être. Et peut-être est-ce cela, effectivement, la foi, le fait de considérer qu'une parole, qu'une dimension de notre vie est suffisamment importante, suffisamment absolue, pour que tout notre être soit concerné par cela. Cette parole me concerne de manière ultime. Et il n'y a pas un bout des disciples qui ne se sentirait pas concerné par cette parole qu'ils ont entendue. Faire quelque chose de cette parole, s'engager entièrement, en vivre, c'est répondre à cet appel à la vie que me lance cette parole. Eh bien, voyez-vous, ce récit autour des premiers disciples de Jésus parle de ce qu'en théologie on appelle la vocation. Et vous êtes, chers catéchumènes, à ce moment de la vie où des petits bouts d'appel commencent à dessiner ce qui pourrait être votre vocation plus tard, et dès à présent en fait. Le fait que nous sommes appelés à vivre quelque chose et que nous le vivons effectivement, voilà ce qu'est la vocation en régime théologique. Pour certains, la vocation, ce serait d'aider les personnes en difficulté. Il y a là, peut-être pour certains, le sens de toute une vie. Et ils seront soignants, ils seront travailleurs sociaux, ils seront pompiers. Pour d'autres, la vocation, ce sera défendre la paix. Ils seront politiciens, ils seront militaires, ils seront diplomates. D'autres ont la vocation d'éveiller la conscience de leurs semblables. Et ils sont enseignants, ils sont guides, ils sont parents à temps complet, et ainsi de suite. Sachant que la vocation ne se réduit pas à notre profession, mais avec Jean Calvin, nous pouvons voir que la profession est aussi le lieu où notre vocation se réalise. Dans l'esprit de Calvin, des réformateurs qui lui succéderont, la profession, ce n'est pas simplement travailler pour gagner de l'argent. La profession, c'est aussi l'occasion de réaliser ses désirs, de réaliser sa vie, de donner du sens à son existence, d'être en cohérence avec ses convictions. Un lieu pour accomplir sa vocation. La vocation, c'est découvrir en soi ce qui nous préoccupe vraiment, ce qui fait que le matin, nous nous levons de bonne humeur. C'est notre profession, c'est aussi nos paroles, nos actes, nos engagements, notre manière d'occuper nos dimanches après-midi. L'appel, la vocation à laquelle nous répondons, est possible quand une parole a nommé ce qui nous préoccupe de manière ultime. Quand nous sommes conscients de ce qui est en train de bouillir en nous et qui ne s'exprime pas toujours très bien. Mais quelqu'un nous lance une parole qui nous permet de nommer ce qu'il y a là. Et alors, ce qu'il y a là peut aller à l'extérieur et nous pouvons en vivre. Nous pouvons le traduire dans notre propre histoire. En suivant Jésus, en répondant à sa sollicitation, les pêcheurs de Galilée font histoire. La preuve, c'est que nous en parlons encore aujourd'hui. Ils n'étaient que pêcheurs d'un petit lac, d'une petite province, d'un petit pays, d'un petit coin de notre terre. Et aujourd'hui, nous en parlons encore. Ils se mettent à écrire une histoire qui sera leur réponse à l'appel à la vie, et cet appel à faire quelque chose de chaque vie. Ne pas simplement s'inscrire dans une sorte de banalité de la vie quotidienne, mais à donner du sens à ce que l'on fait. Leur réponse n'a rien d'une vérité universelle, au sens où nous devrions toutes et tous faire exactement ce que eux ont fait. D'abord, ce n'est pas universel parce que nous ne sommes pas tous pêcheurs de poissons, mais en plus parce que leur manière de répondre à l'appel à la vie, c'est leur manière,
pas la nôtre. Nous pouvons avoir une autre façon de répondre à notre vocation, parce que notre vocation n'est pas exactement celle de ses disciples. Leur réponse, en tout cas, a un caractère universel, c'est que les disciples nous font prendre conscience qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes capables. Nous sommes capables de répondre à un appel qui nous est lancé, même lorsque nous avons une condition sociale qui n'est pas extraordinairement spectaculaire. À notre niveau, nous avons la possibilité de nous engager de tout notre être pour quelque chose d'intéressant, quelque chose de suffisamment intéressant pour que Jésus le fasse partager à des personnes qu'il rencontre. C'est une aventure, la vie. Et si c'est une aventure, c'est parce que cet appel à la vie nous invite à découvrir des aspects de la vie que jusque-là nous ignorions. Les hommes que Jésus appelle sont des pêcheurs, ils pêchent des poissons. Et désormais, au lieu de pêcher des poissons, ils vont pêcher des hommes. Ça change un peu la façon de travailler quand même. Fondamentalement, ils restent des pêcheurs. Mais on comprend qu'ils passent à un nouveau niveau de professionnalisation, à un nouveau niveau d'existence. Ils n'ont pas besoin de tout abandonner, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font, mais ils vont pouvoir se hisser à un niveau supérieur par rapport à ce qu'ils ont fait jusque-là. Leur vie va quand même se transformer considérablement, d'autant qu'il ne s'agira plus d'attraper des petits poissons pour les dévorer, mais d'attraper des hommes pour les faire vivre. Car on ne suspecte pas Jésus d'inviter les disciples à devenir des pêcheurs d'hommes pour ensuite les croquer tout crus ou cuits sur le barbecue. Jésus maintient leur activité de pêcheur. Il ne les disqualifie pas en tant que pêcheurs, mais il leur permet de transfigurer leur raison d'être. Dans d'autres contextes, on pourrait imaginer qu'on ne se contente plus de soigner des maladies. On soigne aussi des personnes. On ne se contente plus de livrer du courrier. On relie des personnes. On ne se contente plus de gérer de l'argent. On élabore une loi de la maison, l'étymologie du mot économie, loi de la maison. On élabore une loi de la maison afin que nous puissions ensemble vivre dans une maison commune. Répondre à la parole qui nous est adressée, c'est au sens strict du terme, être responsable. Se sentir responsable, concerné, et là, de tout notre être, sans qu'un petit bout de nous-mêmes reste sur le côté de la route. Répondre de sa personne pour que cette parole se réalise, pour que cette parole fasse histoire. Je vous offre maintenant une petite pause de mathématiques. Nous allons faire de l'arithmétique, si vous le voulez bien. Les nombres premiers sont des entiers naturels qui ont quelques caractéristiques intéressantes. Les nombres premiers, c'est par exemple 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, bon, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le genre de nombre que c'est. Ce sont des nombres qui ont quelques caractéristiques intéressantes. Ils ne peuvent être divisés que par 1 ou par eux-mêmes. Je dirais, ils ne peuvent pas être divisés, quoi. Parce qu'être divisé par 1, c'est quand même pas très sérieux. Et être divisé par soi-même, bon. En mathématiques, ils ne peuvent être divisés que par 1 ou par eux-mêmes. Autre chose intéressante, quand on multiplie deux nombres premiers, on obtient un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même, ou par 1, ou par ces deux nombres premiers. Par exemple, 17 fois 139, 2363. Eh bien, 2363 ne peut être divisé que par 1, que par lui-même, que par 17 ou par 139.
à condition d'en rester aux entiers naturels, parce qu'après on peut effectivement avoir des nombres avec des virgules, etc. Enfin, une virgule et des décimales. Bien. Je referme la petite pause mathématique. Revenons à la Bible. La Bible, dès sa première page, dès le chapitre 1 du livre de la Genèse, révèle que le travail créateur de Dieu consiste à opérer des différenciations dans notre monde, des distinctions. On distingue le jour de la nuit, l'eau de la terre sèche, l'animal de l'humain. Plus tard, il s'agira de distinguer ce qui fait grandir la vie de ce qui abîme la vie. Contre le principe de fusion qui confond tout et empêche la vie de s'épanouir, comme on le découvre dans le récit de Babel, par exemple, les textes bibliques nous proposent de voir dans le thème de l'altérité, dans le thème de ce qui est différent, la garantie pour que la vie puisse se développer. Et Dieu lui-même est souvent désigné, à raison, je pense, comme l'autre radical, altérité qui assure la propagation d'une parole de vie, là où la pensée unique, par exemple, la confisque et la stérilise. La différenciation comme principe qui permet à la vie de s'épanouir. Eh bien, ce qui me frappe dans ce texte biblique du récit de vocation des disciples, c'est que Jésus, par deux fois, appelle des frères. Jacques et Jean sont vraiment frères puisqu'ils ont tous les deux Zébédée pour père. Et si la mère n'est pas mentionnée, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a en général moins d'ambiguïté sur le fait que la mère est la mère des enfants, contrairement au père où ça relève plutôt de la foi. Plus tôt, Jésus avait appelé Simon et son frère André. Et ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que Jésus commence par appeler deux paires de personnes qui ont ceci de particulier, qu'elles sont les personnes les plus semblables qui soient au monde, deux frères. S'il y avait eu une paire composée d'un frère et d'une sœur, là, les choses auraient été singulièrement différentes. Entre un frère et une sœur, en général, c'est un peu le jour et la nuit. Mais deux frères, c'est au fond ce qu'il y a de plus semblable au monde. Eh bien, en choisissant deux enfants d'une même fratrie, mais deux frères, donc deux enfants de même sexe, il me semble que Jésus, deux fois, appelle les personnes qui ont le plus de similitudes possibles. Et c'est par eux qu'il commence à composer son groupe de 12 disciples. Alors, sauf à considérer Jésus comme agissant à l'encontre de tout ce que la Bible a professé jusque-là, en appelant deux fois deux frères, il me semble que Jésus affirme ici l'altérité irréductible de chaque individu, même par rapport à quelqu'un qui est le plus semblable qui soit par rapport à lui. Pour le dire en termes mathématiques, Jésus nous révèle que nous sommes comme des nombres premiers, indivisibles, sauf par nous-mêmes ou par un. Radicalement indivisible. Nous sommes chacun des êtres remarquables. Et Jésus, lui aussi, ici, cultive la singularité, en désignant que la singularité existe au sein même d'une fratrie avec deux enfants de même sexe. Nous le constatons aussi par le fait que le texte biblique ne laisse pas les disciples dans un anonymat qui les maintiendrait dans l'indifférenciation. Ils sont chacun appelés par leur nom. Et c'est ce que nous faisons encore de nos jours au moment des baptêmes. Nous disons que chacun a du prix aux yeux de l'Éternel et que chacun est justement appelé par son nom pour bien exprimer cela. L'an dernier, nous avions eu l'occasion de constater que le droit d'aînesse est légèrement battu en brèche par les textes bibliques. Que le droit d'aînesse, ce n'est pas une donnée biblique. Eh bien, nous comprenons aujourd'hui pourquoi. Parce que nous sommes toutes et tous des premiers-nés, des êtres premiers.
Cette singularité qui nous caractérise et qui est mise à jour ici, le fait que nous ayons les qualités d'un nombre premier, a une autre conséquence, toute métaphysique. On se pose parfois la question de savoir est-ce que quelque chose de nous survit après la mort ? Certains parlent de l'immortalité de l'âme. On n'a jamais trop réussi à mettre l'âme au bout d'un scalpel. La question quand même nous taraude souvent. Est-ce que quelque chose de nous serait immortel ? Est-ce que quelque chose de nous survivrait ? Nous avons vu que les nombres premiers, multipliés entre eux, donnent un nombre qui n'est divisible que par ces nombres premiers. Et nous venons de voir que nous sommes chacun des êtres premiers, des nombres premiers. Le produit de deux nombres premiers ne peut pas être obtenu par la multiplication d'autres nombres. Un nombre qui est le produit de nombres premiers ne peut pas être conçu autrement que par ces nombres premiers-là. Il n'y a pas un autre chemin pour y accéder par les multiplications. Et cela a une implication très concrète lorsqu'on rapporte cela à nous. Si le monde est tel qu'il est, aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'il est le produit des êtres humains qui l'ont fait, de ce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. Et parce que nous sommes chacun un être premier, le monde tel qu'il est serait différent en notre absence. Pour le dire autrement, le monde tel qu'il est porte l'empreinte de chaque être premier. C'est comme si le monde, l'univers, aujourd'hui, gardait la mémoire du passage de chaque personne, du passage actif, du passage de l'être qui entre dans l'histoire, qui décide de faire histoire, qui répond à cet appel à la vie qui lui propose de faire histoire. Il garde en mémoire une mémoire inaltérable que rien ne peut effacer. Notre passage, de la même manière qu'un nombre à une décomposition unique en facteurs premiers. Là, je sens qu'il y a un léger flottement. Je prends un exemple. 20 605. On ne peut l'obtenir par des multiplications qu'à la condition de multiplier 5 x 13 x 317. Il n'y a pas d'autre voie. 20 605, c'est nécessairement le produit de ces trois nombres-là. Chaque nombre premier est déterminant et donne à un nombre sa véritable valeur. De même que chaque être premier est déterminant et donne au monde sa véritable valeur. Et parce que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, il garde en lui-même la trace de tous ceux qui ont contribué à ce monde-là. Enlever le moindre nombre premier d'une multiplication et le résultat sera nécessairement différent. Enlever le moindre être premier de l'histoire et le monde est différent. Et c'est la raison pour laquelle Marianne Carbonnier-Burkhard, qui était professeure d'histoire moderne à la faculté de théologie protestante de Paris, avait raison, selon son expression, de faire de l'histoire patte de mouche. Elle faisait de l'histoire patte de mouche, disait-elle. Une façon de dire que elle n'avait pas un regard surplombant à travers les siècles, à travers les espaces, etc. Mais elle s'intéressait aux petits détails de l'histoire et elle montrait comment ces petits éléments de l'histoire permettaient de mieux comprendre la grande histoire. Eh bien, elle avait raison parce que, par exemple, ce jour-ci, aujourd'hui, est le résultat de toutes les interactions passées, de toutes les petites interactions aussi bien que des grandes interactions. Alors bien sûr, il nous faudrait une puissance d'observation phénoménale pour retrouver dans notre présent l'interaction des milliards d'êtres premiers qui ont fait l'histoire jusque-là. De même qu'il faudrait un calculateur énorme pour retrouver tous les nombres premiers qui ont été multipliés pour former un nombre qui aurait des milliards de chiffres. Et c'est tout le problème de la science, c'est que nous avons une incapacité à pouvoir embrasser une situation dans son intégralité. Il y a toujours des éléments qui nous manquent. On ne sait pas tout.
et on ne le saura jamais en fait. Nous avons une connaissance imparfaite de notre univers. Bon, ben c'est une donnée, il faut en tenir compte, et puis voilà. Mais l'univers, lui, garde la mémoire de nous tous et de tous ceux qui nous ont précédés jusque-là. Dès lors qu'ils ont fait histoire, dès lors qu'ils ont accepté de faire valoir leur altérité au service de l'histoire humaine, dès lors qu'ils ont répondu à l'appel que leur a lancé la vie pour entrer dans l'histoire. J'ai découvert une petite revue tout à fait intéressante qui est au comptoir librairie, Évangile et Liberté, qui fête ses 100 ans, j'ai vu, et qui fête ses 100 ans avec un programme vraiment intéressant, c'est dimanche prochain, le rabbin Pauline Beb, le physicien Étienne Klein, le professeur Didier Sicard, c'est au foyer de l'âme dimanche prochain. Mais ce qui m'a intéressé pour aujourd'hui, c'est un extrait d'une prédication d'Albert Schweitzer sur ce texte précisément, de l'appel des disciples. Et en prêchant sur ce texte, Albert Schweitzer dit ceci, « Dans le premier commandement que le Seigneur donne sur terre, un seul mot se détache, le mot « homme ». Le Seigneur ne parle pas de religion, de foi, de l'âme ou d'autre chose, mais uniquement des hommes. Venez et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est comme s'il disait aux générations à venir, pour commencer, vous allez tâcher que l'homme ne périsse pas. Suivez-le comme je l'ai suivi et rejoignez-le là où les autres ne le trouveraient plus, dans la boue, la bestialité, le mépris. Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Appelez l'homme à s'affirmer comme être premier. C'est ce que fait le Christ. Et ensuite, à nous de jouer. Engagez notre responsabilité dans les affaires du monde. Y apporter ce qui n'appartient qu'à nous, notre altérité que nous avons repérée, et rendre le monde unique en son genre. Voilà notre divine vocation. Amen.